Je présente l'œuvre de Thora Urup, qui est une artiste danoise, et c'est la première fois que nous exposons cette artiste en France. L'exposition s'appelle Seeing is forgetting the name of the thing one sees, et ça veut dire de regarder et d'une manière d'oublier le nom des choses qu'on regarde. Donc c'est une œuvre qui est vraiment basée sur la perception et sur l'idée de voir et de bien voir les choses. Les œuvres de Thora Urup présentées dans cette exposition ont tous été réalisées en verre massif sous flémin. Comme vous voyez, chaque pièce est une variation sur le même thème d'une coupe ou plusieurs coupes qui semblent flotter à l'intérieur d'une coupe, une plus grande coupe. Et en fait, c'est une illusion optique. Il y a un trompe-l'œil qui a été réalisé grâce à une technique qu'elle a inventée de soufflage de verre où il y a deux bulles de verre qui ont été fusionnées et une est en verre coloré très très fin et l'autre est en verre transparent. Et c'est comme ça qu'elle arrive à créer ces objets assez oniriques qui demandent vraiment de regarder. En fait, c'est une œuvre qui est basée sur la perception. La fil rouge, en fait, peut être résumée comme une dialogue interdisciplinaire, en fait. Ce sont des œuvres qui se situent souvent entre l'art, le design et l'architecture. Et ce sont des designers qui travaillent toujours d'une façon artistique avec le médium du design.